L'assistance publique, encore une fois, c'est les chiffres de l'assistance publique, cette fois, ce n'est pas les miens. Hein. Le nombre de dossiers liés au Covid ou le nombre de passages aux urgences des Covid, vous voyez que la pente est partout la même. C'est une pente qui est très rapidement descendante. Ces données, qui sont des indicateurs de pilotage nationaux, montrent que la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, était la province dans laquelle le taux d'attaque était le plus bas en France, par le fait qu'il y ait une baisse de l'hospitalisation. Et j'espère que, du coup, elle permettra de reprendre des dispositions à Marseille qui permettront aux gens qui ont une activité économique de la poursuivre. Dans quelques secondes, le professeur Raoult expliquera les derniers chiffres de l'hospitalisation de patients touchés de Covid. Vous verrez la différence stupéfiante entre les dispositions gouvernementales et la réalité du terrain. Restez jusqu'à la fin, je réponds à vos questions les plus courantes pour refuser le port du masque. Et je vous donne le fichier à télécharger pour annuler l'amende en cas de défaut de port du masque. Et surtout, je vous donnerai des conseils précieux pour vous libérer de cette situation anxiogène qui est alimentée par les médias. Si vous voulez, on a vu qu'il y a eu une confusion là, entre les données des uns et des autres. Donc ici, j'ai des données de différentes sources qui vont toutes un peu dans le même sens d'ailleurs. Hein. Donc ça, c'est nos données à nous avec... D'une part, les gens qui sont testés ici de toutes sources et de tout département possible, et d'autre part, les gens qui sont testés et qui sont domiciliés à Marseille. Donc on a les deux tableaux, parce que c'est très simple, il suffit de regarder l'adresse postale. Donc ce qu'on voit, c'est que sur toutes ces courbes ont la même tendance, c'est-à-dire qu'elles ont... c'est une courbe en cloche, là aussi, on est sur la pente descendante de la cloche, qu'il s'agisse des cas détectés, des cas hospitalisés. C'est pas le cas, il n'y a pas la même forme de cloche avec la réanimation, parce qu'on sait qu'il y a entre 8 et 10 jours de décalage entre l'hospitalisation en réanimation et le début de la maladie qu'on avait vu dans la première épidémie, on pense que c'est la même chose, donc... Il n'y a pas de synchronisation entre les cas détectés, les cas hospitalisés et les cas de réanimation. Donc l'amorce de la descente, ce n'est pas encore fait pour la réanimation, mais je pense qu'elle ne va pas tarder, compte tenu du fait qu'on a l'impression que le pic des cas a été il y a 10 jours maintenant, et que depuis les choses diminuent. Donc on le voit sur l'ensemble des prélèvements que nous faisons ici. Bien sûr, j'ai entendu dire que si on trouvait moins de cas, c'est parce qu'on n'arrivait plus à faire. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On en a fait encore près de 2500 hier. Mais le pourcentage de positifs diminue. Et donc, actuellement, on est à 7,5% alors qu'on a culminé à 15% de positifs parmi les personnes nouvellement positives. Donc, il n'y a pas de mystère, c'est pas lié à un encombrement en particulier. D'ailleurs, vous voyez que les délais de rendu des personnes en urgence sont inférieurs à 6 heures dans l'immense majorité des cas, et les non-urgences sont toutes rendues en moins de 24 heures, 100% en moins de 24 heures. Donc on n'est pas du tout saturé. On continue à faire le travail. Au contraire, on a été très très aidé par les informaticiens de l'assistance publique. Maintenant, on peut se pré-enregistrer. On n'a plus besoin de faire la queue. Et donc aujourd'hui, pour la première fois, il n'y avait pratiquement plus de queue du tout. Voilà. Donc ça se traduit pour nous, en termes hospitaliers, à l'IHU, qui est l'endroit dans lequel on met les gens au départ quand ils sont encore porteurs du Covid. Hein. Chronique d'une mort annoncée. Pourquoi cet acharnement avec Marseille ? Vous voyez qu'il n'y a aucune raison de bloquer la ville ainsi. Trouvez-vous une logique ? À partir de 22h, le virus est de sortie. Il attaque les gens debout, dans les bars et les restaurants. Et une fois qu'ils sont assis, ils sont sains et saufs. Les hôpitaux sont débordés ? Cherchez les vrais chiffres et vous saurez que c'est organisé ainsi. Vous en avez assez du masque ? Retrouvez sur la chaîne les deux vidéos où je traite les cas du masque. Pourquoi est-il imposé de cette manière ? Quelle est sa symbolique ? Quelles en sont les conséquences ? Si vous avez des problèmes ou des questions juridiques à propos du port du masque,
je vous invite à vous rapprocher de l'association Réaction 19 qui vous aide dans des cas particuliers à propos du port du masque, que ce soit à l'école, au travail ou dans la vie en général. Personne ne peut vous imposer un test pour aller à l'école ou pour travailler. Il en est de même pour le port du masque. Dans certains cas, vous pouvez vous en passer, même si certaines directives, que ce soit à l'école ou au travail, vous l'imposent, bien souvent elles sont hors la loi. L'Ordre national des médecins et l'ARS l'ont confirmé. Si vous avez un certificat médical, vous êtes autorisé à ne pas porter de masque en toutes circonstances. Réveillons-nous. Vous trouvez que cette situation générale devient grotesque? Que les médias en font trop? Voici mes deux vidéos sur le plan qui se déroule. Et si vous avez soif de vérité, je vous recommande celle-ci. Que pouvons-nous faire? Restez centré, à l'écoute de vous-même et de vos proches. Tout est organisé pour vous compliquer la réflexion. Rien n'est logique. Les images diffusées provoquent et maintiennent un état de peur, même inconsciente. Arrêtez les chaînes d'information en boucle. Ce sont des professionnels de la manipulation et du mensonge. Votre force est d'avoir le pouvoir d'éteindre votre télé. Comment agir? Que faire? Comme je le répète souvent, c'est réfléchir avec son cœur. Votre cerveau est matraqué à longueur de journée. La psychose entretenue et vos émotions provoquées par l'ambiance lourde vous limitent dans votre réflexion. Pire, vous croyez la plupart du temps certains mensonges perpétrés. Votre cœur ne connaît pas la peur, votre cœur sait ce qui est bon pour vous. Passez à l'action pour des causes qui vous tiennent à cœur. Toutes nos courbes sont et vont dans le même sens. Alors, j'ai l'habitude, après les gens disent « Non mais vous dites ça, les autres disent autre chose », mais vous voyez, si on regarde ça des données officielles de l'assistance publique qui nous sont transmises, vous voyez qu'effectivement, sur les réanimations, ça continue un peu à augmenter. Sur les hospitalisations, vous voyez qu'on est... Le pic était aux alentours du 18 septembre, avec quelque chose qui a... là où qui descend, c'est parce que les gens qui ont déjà été hospitalisés ne sortent pas tout de suite, mais si vous regardez les nouveaux cas positifs à l'assistance publique, encore une fois, c'est les chiffres de l'assistance publique, cette fois, ce n'est pas les miens, hein. Le nombre de dossiers liés au Covid, ou le nombre de passages aux urgences des Covid, vous voyez que la pente est partout la même, c'est une pente qui est très rapidement descendante, et j'espère que, du coup, elle permettra de reprendre des dispositions à Marseille qui permettront... aux gens qui ont une activité économique de la poursuivre. Donc on a pris les plus tôt le début de cette nouvelle épidémie, et chez nous, ça diminue, les données diminuent d'une manière raisonnable. Je pense que tout ça devrait permettre de ramener un peu de calme et d'être un peu moins nerveux. C'est vrai qu'il faut qu'au niveau de l'assistance publique, il y ait un peu de... le management des lits de réanimation de manière telle que tout le monde ne soit pas affolé ou empêché d'opérer. Tout ça, c'est une stratégie d'organisation